La ville a une histoire particulière avec le capitaine Charles Borromée Messani Indjuriri en octobre 1921. Il est choisi par sa hiérarchie pour intégrer le centre de perfectionnement des sous-officiers indigènes de ladite ville. En 2024, cette commune du sud de la France honore ce héros de la Seconde Guerre mondiale, mort le 7 juin 1940 à Irène, en érigeant un rond-point baptisé Capitaine Charles Djuriri. Une place stratégique située en face du musée des troupes de marine de Fréjus. C'est un honneur immense de vous recevoir ici à Fréjus pour l'inauguration du rond-point à la mémoire du capitaine Charles Djuriri. Une semaine après la première visite en France du président de la transition, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui s'est notamment rendu à RN dans la Somme afin d'honorer la mémoire du capitaine. Un homme dont la bravoure l'a conduit jusqu'au sacrifice ultime, donner sa propre vie pour sauver les soldats placés sous son commandement. Un an après son arrivée au centre de perfectionnement des sous-officiers indigènes, Charles en sort major de la section sénégalaise. Au regard de ses compétences, il est nommé instructeur adjoint du dit établissement. C'est avec une réelle émotion et un immense honneur que je prends la parole au nom de Son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État du Gabon, à cette occasion d'inauguration du rond-point Charles Djuriri à l'entrée de cette magnifique ville de Fréjus. Le capitaine Charles Djuriri n'est pas mort ce 7 juin 1940 à RN, car son esprit de bravoure, son dévouement et son abnégation continuent de vivre en nous et ne manqueront pas d'inspirer les générations futures, le Gabonais et le Français. Le vaillant soldat qui s'est engagé volontairement dans l'armée française en 1916 marque les esprits et l'histoire. Le 24 mars 1923, il devient l'un des rares Africains à recevoir le grade d'officier au sein des troupes coloniales françaises. Doté d'un grand sens de l'observation et de capacités d'analyse hors normes, le capitaine Charles Djuriri devient au fil des années l'une des pièces maîtresses sur lesquelles s'appuient les autorités militaires de l'époque pour définir leur politique de gestion des troupes coloniales et la voix des tirailleurs sénégalais.